Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Laoté Tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui change d'habitude, 5 easter eggs concernant Outlaw et concernant une trilogie de films que je surkiffe qui est Back to the Future. Bon, c'est vrai que le 2 et le 3 seront plus mis en avant, moins le 1, mais je pense que vous allez surkiffer, vous me dites si vous aimez ce genre de nouvelles un peu vidéo, même s'il y aura toujours le gameplay qui est mis en avant. Donc on se retrouve sur Outlaw dans la grange, où c'est justement où il y a un peu les trucs forgerons, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque le convecteur temporel. Alors déjà sur l'Apex, il y était passé, mais le convecteur temporel, en fait, permet le voyage dans le temps. Je crois que Duck a dit qu'il a mis plus de 30 années pour pouvoir réussir à créer cet objet, en fait, qui permet le voyage dans le temps. Avec 1,21 gigawatt en américain. Ensuite, on peut remarquer le train. Alors le train, c'est ce qui permet de pousser la DeLorean jusqu'à pouvoir se téléporter, en fait, dans le futur. Ensuite, on remarque le mini easter egg concernant la hache. Alors, est-ce qu'il y en aura un autre avec les pinces crocodiles, etc. On ne sait pas pour le moment, c'est pas le plus important. Mais on va remarquer un truc, je ne sais pas si ça va être bien vu, mais qu'il y a deux revolvers. Et en fait, le plus petit fait de nouveau référence à Tannen. Il faut savoir dans Back to the Future 3, quand Tannen essaye de tuer Doc, il essaye de tuer avec un petit flingue. Et c'est exactement le même flingue. C'est exactement le même. Ensuite, l'avant-dernier, on se retrouve donc avec le piano et qui joue la même musique quand Marty vient dans le salon pour la première fois, quand il demande, je crois, du coca ou du chocolat, je sais plus qu'est-ce qu'il voulait exactement, je crois qu'il voulait de l'eau. Il nous l'a dit, bah si tu veux de l'eau, il va falloir aller vers les chevaux. Voilà. Ensuite, le dernier easter egg est concernant l'horloge. Et qu'est-ce que vous voyez? Il est écrit 10h04. C'est exactement la date, l'heure plutôt, l'heure auquel l'horloge est foudroyée et qui permet justement à Marty de pouvoir se téléporter, retourner dans le futur. Ça, c'est plutôt aux références au premier, qui permet justement de retourner là où il était, puisqu'il était bloqué à cette époque-là, étant donné qu'il fallait qu'il ait du plutonium et il ne pouvait pas en avoir à cette époque de l'année. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous changer un peu parce que là, niveau gameplay, etc., j'ai pas grand chose à vous dire de nouveau. J'ai tout fait sur ce jeu, je sais pas quoi faire du tout. Et en plus, je pense que là, les gameplays, pour le moment, je dis bien pour le moment, ne vous intéressent pas. Je pense qu'on attend tous IW avec une grande impatience. Si on atteint les 800 likes pour la prochaine vidéo, je ferai et je donnerai 3 codes IW de bêta, hein, bêta IW, je vous les donnerai lors de la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à bombarder cette barre de like, de la partager, que ce soit sur Twitter, sur Facebook. Dites-moi si ce genre de vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, hein, de nouveau 800 likes si vous voulez que 3 codes bêta IW sortent pour la prochaine vidéo. Et puis moi je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à partager comme j'ai dit. Et puis moi je vous dis ciao ciao tout le monde.